Alors, pour faire le tiramisu, nous avons besoin de mascarpone, des œufs, du sucre, des biscuits savoyards, du café, une petite tasse de chocolat et pour la finition du plat, de la crème anglaise, du cacao en poudre et une petite gondole en chocolat. Nous avons besoin de cette petite tasse de chocolat, des œufs que nous clarifions. On ajoute le sucre en poudre, jaune, et avec le fouet, on fait monter les œufs et le sucre jusqu'à ce qu'on obtienne une belle crème bien onctueuse. Andiamo ad aggiungere il mascarpone. Alors, quand notre crème est bien montée, lorsqu'on a une crème bien homogène et lisse, on lave le fouet et on monte les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs servent à donner une certaine légèreté à notre tiramisu. Nous allons maintenant les incorporer dans l'appareil que nous avons préparé auparavant. C'est une belle petite crème, bien montée, homogène. Nous prenons les petits biscuits savoyards, que nous cassons en deux, et que nous immergeons dans un bon café expresso, et que nous plaçons au fond. Alors, un peu de crème mascarpone. Nous mettons tout cela par-dessus. À ce stade, on peut saupoudrer du cacao sur toute la surface, comme ça. Et on rajoute pour terminer la petite gondole de chocolat sur le dessus. Avec de la crème anglaise sur l'assiette de présentation. Un petit peu de sauce au chocolat et on fait des petites taches. Macchie, diciamo. Vous voyez, con l'aiuto di uno on fait une petite décoration comme ça. C'è una piccola decorazione. Bien, très joli. Et così. A questo punto mettiamo il nostro tiramisu al centro della decorazione. Mettre notre tiramisu bien au centre de l'assiette. Ed ecco qui, finito voilà notre tiramisu Cipriani.